Bonjour et bienvenue, je suis l'Antien01 et aujourd'hui nous allons faire un nouvel épisode de Elite Dangerous. Alors je tenais à préciser que nous allons tout simplement, nous allons faire du RES, donc j'ai précisé ça, mais c'est pas la priorité. La priorité est que, enfin priorité façon de dire, c'est que tout simplement, ce que j'ai fait, et j'ai fait une autre vidéo, sauf que la vidéo elle est courte. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer SSI de vidéo, donc j'avais découvert, c'était quoi? Ah oui, un seuil de classe O, voilà. Je sais plus trop combien de temps elle a duré cette vidéo, je verrai ça au montage. Donc on verra, j'essaie de faire une vidéo de 30 minutes là par rapport au ROS. Et je vais intégrer tout simplement une autre vidéo, au début ou en fin. Je pense que ça sera plutôt en fin, ou au début, enfin, je vais faire enfin. Vous aurez l'épisode celui-là et vous aurez l'autre épisode précédent en dernier. Voilà. Voilà. Parce que comme ça, vu que sur le coup j'avais pas prévu de faire cette vidéo et l'intégrer à l'autre, du coup je me suis dit on va tout simplement décaler. Vu qu'à la fin je dis mon message comme d'habitude, que je remercie aux gens qui me suivent et tout ça, bah, vous l'aurez comme ça avec l'autre épisode. Voilà, là ça m'évitera. De le redire, ça évitera d'avoir deux messages que je fais à chaque fois, quoi. Voilà. Donc, deuxième précision. Oui, je suis en train de re-enregistrer avec Shadowplay. Parce qu'il y a eu une grosse mise à jour, du coup. Et j'ai envie de la tester. Il paraît qu'il est bien. Et donc, je vais voir. Si je vois que c'est de la chiasse, vous me le direz au commentaire. Vous direz, oh, mais enfin, c'est de la chiasse, Shadowplay. Oh, ça marche pas bien et tout. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce logiciel, surtout avec No Man's Sky. Donc je vais un peu laisser de côté, mais si vraiment ça fait la même merde, ça veut dire les images qu'ils accrochent et tout ça, c'est bon, je reprendrai sur Bandicam. Donc voilà. Donc je tenais à m'excuser pour les désagréments qu'il va y avoir sur cette vidéo, parce que bah du coup j'ai pris un peu de retard, et du coup je vais prendre la vidéo comme elle est, quoi. Donc voilà, si vous avez un décalage de son, si vous avez machin du chouette, je m'excuse d'avance, je ne peux rien faire malheureusement. Donc moi après je le verrai sur le prochain épisode de la semaine prochaine que je ferai. Et donc j'aurai enregistré avec Bandicam, qui est juste le logiciel qui est excellent jusqu'à présent. Voilà, du coup on va se faire du ROS. Alors du ROS, qu'est-ce que c'est? C'est on va tout simplement faire un peu de... comment dire, un peu de justicier, on va dire. Voilà, relativement. Donc un peu de justicier, hein, nous allons un peu faire un peu d'action, vu que je n'ai pas de mission. Alors, en même temps, j'ai pas regardé, mais je sais que je vais être attiré par cette mission, donc du coup, je préfère lancer mon Viper M44. Donc oui, je l'ai racheté, hein, le Viper M44, je l'ai racheté, oui. Voilà quoi. Je l'ai racheté, je pouvais le racheter sans problème, vu que j'ai des entrées d'argent assez conséquents en transport de passagers, qui est juste excellent. Hein. Donc voilà. Donc pour l'ARS, je sais pas trop à destination que ça va être. Si c'est trop long, je ferai une ellipse, au pire. Et vous me direz, n'oublie pas, enfin moi après je le vois, enfin je le vois pas forcément au montage, mais si vous voyez qu'il y a un manque de fluidité, dites-le sur les commentaires, et puis je verrai, parce que de toute façon je sais qu'est-ce que c'est qui ferait ça. Voilà, alors. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait... ça. Donc n'hésitez pas de me dire si ça merde ou pas. Donc oui, comme vous pouvez le voir, c'est le Viper MK4. Ship released. You are clear. Landing gear retracted. Je dois dire que les systèmes de combat, c'est pas trop mon truc dans ce jeu.
Donc je n'ai pas tout simplement. Enfin, c'est pas mon truc dans le jeu, quoi. Je veux dire, dans le jeu, je me suis fait plutôt genre commerçant ou transport de passagers. Voilà. Donc j'ai pas investi sur le Vulture qui est à 5 millions pour le peu de combats que je vais faire. Voilà quoi. N'hésitez pas à me dire aussi si c'est trop fort. Parce que je sais qu'avec Shadowplay, le problème que j'avais c'est soit m'entendait pas la voix, soit ma voix était trop fort et entendait pas le jeu, soit le jeu était trop fort et entendait pas ma voix. Encore un problème de Shadowplay, qu'il y avait passablement, j'espère que ça a été c'est réparé ce genre de choses. Parce qu'on a eu une grosse césure sur Shadowplay, ils ont changé la TH, ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Donc du coup voilà quoi. Donc je me dis que peut-être que on aura peut-être une possibilité d'avoir quelque chose de fluide. Donc j'enregistre avec Shadowplay en qualité élevée comme avec Bandicam, ça change pas, et en 60 fps comme Bandicam. Normalement. Si bien sûr Shadowplay ne merde pas. Engage. 1000 CL. Ouais, bon, ce que je vais faire, je vais faire une ellipse et dès que j'arriverai à la ROS, vous aurez la suite. A tout de suite les amis. Les amis, en espérant que ça a bien enregistré la suite et que ça écrase pas ma vidéo précédente, mais je pense pas normalement. Voilà, je suis arrivé. Donc voilà, hein, comme je vous dis, petite ellipse rapide. Je suis arrivé à Losang 9. Ou non, normalement, le site d'extraction. Extraction riche. Donc voilà, c'est quoi les RES? C'est tout simplement ça, les RES. Hein. C'est des sites d'extraction. On appelle ça aussi ROS. Beaucoup de gens appellent ça les ROS. En fait, voilà, c'est des endroits qui sont en général assez dangereuses et que les pauvres mineurs se font martyriser, les mineurs, parce que y a des petits bandits tout ça qui attaquent les petits mineurs, ces petits vaisseaux, c'est vraiment des petits vaisseaux de merde quoi. C'est facile d'attaquer les petits vaisseaux de merde. Voilà. Bon, vous allez me dire, je suis pas très courageux moi non plus, parce que je vais pas attaquer tout seul des gros vaisseaux. Hein. Je vais attaquer avec avec une flotte. Donc en même temps avec mon Viper MK4 un contre un avec un Python ou un Anaconda, c'est game over pour moi. Donc on sera en groupe, donc aidez au moins, ce sera les petits vaisseaux qui sera un truc qui vont se faire déchaîner par 36 000 vaisseaux spatiaux, ainsi que le mien. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, je suis avec la souris, le clavier, c'est pas génial pour le système de combat. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir un combat dynamique comme ça, parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai l'habitude de piloter des cuirassés, des destroyers, donc des vaisseaux qui sont massivement plus gros que ça. J'ai pas vraiment l'habitude des chasseurs et tout ça, donc voilà, moi j'ai l'habitude d'avoir des gros vaisseaux, et je m'attaque contre d'autres gros vaisseaux avec des petits chasseurs qui sont autour de moi, voilà, une petite flotte normale quoi. Donc voilà. Du coup... Alors est-ce qu'il y a du monde ou pas? Alors une fois j'ai eu de la chance une fois. J'ai pu gagner 3 millions en faisant des combats. Hein. Donc voilà, quoi. Il y aura d'avoir du monde qui a garde chargé. Tout va bien. Le gars qui regarde son radar mais qui regarde pas ce qu'il y a autour. On a failli se bouffer une astéroïde quoi, direct. Alors. On a un type 9, bon, je pense que c'est des mineurs. Voilà.
Aspect explorer. Donc, truc habituel, hein. On recherche s'il y a des gens pas commande. Ah, là on a un recherché. Mais le problème c'est que lui, c'est Liyuryu. Sécurité de Sirius. C'est une sécurité, donc c'est pas non plus des bandits. Tout simplement parce qu'ils sont pas dans le bon, bon truc. Non, on cherche des genres de pirates et trucs comme ça, vous voyez. Ah, il y a quelque chose qui me scanne. C'est qui me scanne? Qui me scanne? Je voudrais bien savoir c'est qui me scanne. Service de sécurité. Bon, mais c'est bon. Tout va bien si c'est service de sécurité. Tout va très bien. Donc service de sécurité, c'est les petits bonhommes verts. Hein, voilà. Ok. Un vulture. Oh, ça va pas tirer là. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Rechercher. Ok. C'est quoi qui attaque? Ok. Target shields offline. Ok, ça commence plutôt bien. Donc je sais pas du tout combien de temps elle va durer la vidéo, sans oublier que... C'est un piton qui est en train de se faire attaquer. Ok. Rechercher, ils sont trois. Thank you.
destroyed. C'est toi qui recherché, non? Non, c'est pas toi. C'est lui. Target shields offline. Pôle Empire, ouais, et au sang corp, ok. Élite. Target shields offline. Thank you.
Désolé si je parle pas beaucoup dans cet épisode. Mais en général, quand il y a de l'action comme ça, je parle pas beaucoup. Alors, excusez-moi. D'habitude, je parle, mais là, c'est vrai que là. Voilà, quand il y a de l'action, en général, je ne parle pas beaucoup. Donc, je m'excuse. S'il n'y a pas beaucoup de ma voix. Donc, voilà. Donc, voilà, au moins, vous savez c'est quoi les RES. C'est moi où il est bloqué, il est planté le vaisseau. Doit extraire. Okay. Donc voilà, en fait c'est ça, en fait ce sont des petites zones comme ça, donc en général ce sont des champs astéroïdes qui sont attaqués par des pirates ou tout comme ça, donc il y a des services de sécurité là, donc c'est pour ça que je les assiste pour tout simplement surveiller les pirates. Voilà, après vous avez les zones de conflit. Alors pourquoi j'attaque comme ça? Il faut savoir que depuis la mise à jour, maintenant que c'est un peu calme, je peux parler. Il faut savoir que depuis la mise à jour, les PNJ sont devenus extrêmement dangereux. Ce qui veut dire par là, c'est que maintenant, par rapport à avant, on pouvait très facilement les battre, les PNJ. Maintenant, c'est conseillé d'être en Wings. Parce que c'est devenu plus difficile à vaincre les PNJ. Il faut être en Wings. Et vu que là, dans ma liste de mes contacts, il n'y en a aucun qui est connecté. Il n'y a aucun qui est connecté. Bon, après c'est normal, hein. Je veux dire, après il y a le boulot et tout ça, donc c'est tout à fait logique. Donc j'ai pas de Wings. C'est rare que je joue en Wings d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup de... Dans mes contacts, j'ai pas beaucoup de gens qui m'invitent ou autre. Donc voilà.
Donc c'est conseillé d'être en Wings parce que maintenant les PNJ sont devenus extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux que en gros c'est simple, ils vous tirent dessus, ils vous one shot plus ou moins. Là vous avez pu voir que pendant quelques temps, vers une partie du combat, il y a un machin là-bas. C'est quoi? C'est une Wither? Ça je vais pas le faire ça, ça vaut rien ça. Ils sont devenus donc plus difficiles, donc les PNJ ils ont augmenté l'intelligence des PNJ, ils sont devenus beaucoup plus difficiles. Avant on pouvait très bien faire des zones de conflit à basse intensité ou en haute intensité en étant tout seul. Maintenant c'est conseillé d'être en Wings. C'est conseillé d'être en Wings maintenant. Alors vu que là j'ai une personne avec moi, donc du coup je suis en Wings, entre guillemets en Wings avec les trucs de sécurité quoi. Voilà. Parce que du coup maintenant les PNJ sont devenus extrêmement dangereux, beaucoup plus difficiles à vaincre. Et beaucoup de gens risquent de... Parce que c'est bien beau de rendre plus difficiles les choses, moi ça me dérange pas plus que ça, mais ils sont tellement cheatés. Le temps que je sors les arbres, c'était fini. Donc je disais, les PNJ sont tellement cheatés que beaucoup de gens risquent de peut-être se retourner aux joueurs, contre les joueurs quoi. Et c'est dommage quoi, parce que la majeure partie des joueurs, quand tu vois dans les MMO, la majeure partie des joueurs t'attaquent toi parce que c'est plus facile de s'attaquer aux joueurs qu'aux PNJ. Donc voilà. Donc ça rend plus difficile, les PNJ sont plus difficiles, donc du coup maintenant il est recommandé d'avoir des Wings quand on fait les PNJ. Et les gens qui n'ont pas de Wings, soit ils jouent avec les agents de sécu que moi je fais, ou alors tout simplement ils vont se dire ah, bah, les PNJ c'est un peu trop difficile, mais finalement on a un peu plus de chance en combattant des joueurs. Voilà. Il est là le problème en fait. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, donc c'est pour ça que la majeure partie c'est ça qui est. Donc voilà. Et il faut encore faire attention parce que ils vont encore faire une mise à jour où ils vont encore améliorer les. Ils vont réduire des choses. Et ils vont augmenter certaines choses. Encore une fois, est-ce que ça va augmenter côté PNJ ou côté joueur? Je sais pas. Voilà. D'ailleurs ils ont dit qu'ils allaient refaire cette version là, la remettre en version bêta, cette mise à jour, parce qu'il y a eu des problèmes par rapport au combat. Les armes sont un peu trop cheatées. Alors est-ce qu'ils prennent conscience et que c'est via OPNJ, donc ils vont réduire l'agressivité des PNJ ou ils vont réduire autre chose? Le problème c'est qu'on ne sait pas. C'est quoi ça? On voit. Donc voilà. Alors désolé si je n'ai pas beaucoup parlé pendant les combats. Je suis vraiment désolé, mais en général quand je suis en combat comme ça, je ne parle pas en fait. Alors je m'excuse d'avance par rapport à ça. Parce que je me concentre sur le jeu et tout ça. Donc voilà. Maintenant si vous voulez plus me voir parler, c'est plutôt une mission tranquille, genre transport passager, vous m'entendrez bien. Mieux plus parler que là, pendant les combats. Mais bon, t'entends faire des combats, ça peut être, c'est sympa aussi, hein. Pour ça, je me suis dit, on va changer un peu le game. Je me suis dit, voilà, on a vu un peu le passager, c'est quoi, transport de passager. C'est vrai que je ne suis pas spécialisé dans les combats. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, un peu de changement, ça dit, c'est toujours mieux que rien. Hein. Donc, t'entends introduire des combats dans le jeu, voilà, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas de commenter à ce sujet si vous aimez bien que je fasse pas tout le temps du combat, parce que le combat n'est pas vraiment trop mon truc dans ce jeu là en fait.
Parce que bon, ma carrière est plus côté transport de passagers. Enfin, c'est une carrière que j'ai choisie dans le jeu pour rester un peu, on va dire RP quoi. Je veux dire, je suis pas vraiment assigné au combat quoi. Je suis un commerçant ou un transport de passagers, mais pas en combat. Après, c'est côté mon, c'est mon game que j'ai choisi. Hein. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à commenter si t'entends que vous voulez toujours voir transport de passagers. Et t'entends introduire des petites parties de combat comme ça, des petites parties assez sympas. Ah, c'est vrai que là, c'est quand même beaucoup plus mouvementé. Hein. C'est pour ça que j'espère que Shadowplay ne va pas merder. Là, vous voyez, je suis fait déjà 600 000 crédits, quoi. En combat. Alors, le combat est plutôt rentable aussi, hein. Comme je vous ai dit, j'avais fait une heure de jeu, je crois. Une heure ou deux heures de... Ouais, une heure ou deux heures de jeu, j'avais 3 millions. En attaquant des gros oiseaux. Là, on a que des petits oiseaux, comme on a vu, voilà. On n'a pas de très gros oiseaux, comme on a eu tout à l'heure, un python, et voilà. C'est mieux qu'on a des gros oiseaux. En général, quand il y a des petits vaisseaux comme ça, et je vois les agents de sécurité, j'y vais pas, quoi, parce que bon, c'est des petits vaisseaux, voilà. Maintenant, si c'est des gros vaisseaux sévères, là, j'y vais. Voilà, c'est plus... Je suis pas non plus un gros salaud, là, qui attaque les petits vaisseaux. Même si, je vous ai fait montrer, j'ai attaqué quelques petits vaisseaux, histoire 2, parce que bon, voilà, quoi, pour donner un peu de rythme, parce que, bah, malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de pitons et de anaconda dans cette partie, donc voilà. Donc, n'hésitez pas de commenter à ce sujet. Et je vais augmenter, donc on a fait 30 minutes de vidéo, je vais augmenter peut-être 10 minutes en plus, ça va faire 40, ouais. En espérant que l'autre vidéo ne sera pas trop longue. Scan detected. Ok, t'as cassé vierge, très bien. Minutes, je pense pas qu'elle est longue l'autre vidéo, hein. Je m'en souviens plus en fait. Donc si elle est longue, je m'excuse, hein. Si elle est très longue la vidéo, je m'excuse d'avance parce que je m'en souviens plus à combien de temps j'ai mis. Je sais qu'elle est courte, mais je sais plus combien de temps elle dure l'autre vidéo que je vais intégrer à celle-ci. Bon, alors j'ai parlé et là du coup je suis déconnecté. Alors je suis où là? Ok, il y a des vaisseaux verts là-bas, on va y aller, on va se promener avec eux, on va voir. Donc t'entends les AOS, c'est calme, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est calme. Là c'est calme, c'est un peu calmé je dois dire. Donc voilà. Est-ce que t'as fait quelque chose de méchant toi? T'es recherché. Intéressant. Quoi comme vaisseau? Putain, gunship. Il y a de l'action là-bas. Là-bas il y a de l'action. Est-ce que c'est un gros vaisseau? Parce que ça, putain, le gunship c'est bien, mais est-ce qu'il y a plus gros? Là-bas ça a l'air de bastonner sévère. On va voir. Hein. Bon, c'est vraiment loin, hein. Je pense pas qu'on va y arriver. Ouais, non, on n'arrive pas à temps. Faire le fédéral je suppose, on va essayer de faire ça. Mais un contrat contre un fédéral le gumshit ça va faire mal. Non, ça bastonne là-bas encore. Un clipper. Ah ça c'est intéressant le clipper. Est-ce qu'on va arriver à temps?
Ah, erreur de connexion, bon ben. Alors ça sera un épisode très court, genre épisode découverte comme j'ai fait quelques fois. Parce qu'en fait là, toujours mission, dans les missions de passagers, hein, c'est grâce à eux que on va aller sur une planète, enfin on va aller sur un type d'étoile de classe O. C'est la première fois que j'aurai une classe O, je sais pas du tout ce que ça va donner. Autant ça va être aussi moisi que la classe carbone. Donc on va voir ça immédiatement. Bon, j'ai dit, ça va être une vidéo qui va être très courte, je suppose. On va pas faire le long feu, grand chose. Voilà. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est cette classe O, si ça bug pas. Allons voir ça. Spectrale de type O. Je sais pas c'est quoi. Elle a l'air de bien briller de là, le soleil, je veux dire. Autant c'est un soleil banal, hein. Donc c'est un système binaire. D'après ce que j'ai pu voir, c'est marqué système binaire. Et l'étoile elle est bleue. En fait c'est une géante baie en fait, une géante bleue quoi. Non? Quoique ça veut rien dire. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Ok, c'est une étoile qui est tout simplement une géante bleue. Mastoc, mais vraiment Mastoc. On peut se recharger dessus? Oh, on peut se recharger. Donc, classe O, c'est en fait une un énorme soleil bleu en fait. Je suppose que l'endroit est connu, je suppose. Bah oui. M'étonnerait fort que c'est pas connu. Bah bien sûr, c'est à preuve que c'était connu. Hein. Ouh, par contre, il y a des... Ah, carrément, il y a des soleils avec des astéroïdes, là. Ah, oh, carrément. Ah. Excusez-moi si vous avez entendu le parasite. C'est mon téléphone. Ok. Ouais, c'est un soleil qui est bleu en fait, bleu violet, même bleu foncé violet on va dire. Il est sympa. C'est où qu'on doit aller? Oh, si, sur cette planète. Ok, du coup c'est la planète qui est très proche du soleil, je crois, c'est ça. On va galérer énormément à sortir de l'hyperespace, enfin rentrer en hyperespace parce que le vaisseau va chauffer. Comme qu'on a eu avec la classe carbone, enfin non, vous l'avez pas vu, ou peut-être que si. Je sais plus si vous l'avez vu. Donc en gros c'est simple. Avec le vaisseau en fait qui était près du soleil comme ça, pour rentrer en warp, bah, alors, le vaisseau avait très chaud. Très très chaud. On était à monter à plus de je sais plus trop combien. Je veux dire que ce soleil est vraiment beau en fait, hein. C'est vraiment, ouais, c'est une géante bleue, hein. C'est littéralement une géante bleue. Du coup c'est quoi la planète? On doit se mettre sur quelle planète? On l'a sélectionnée. Ok, donc du coup c'est quoi? Ah d'accord, ce sont d'accord, donc c'est pas le soleil qui fait genre, c'est en fait, c'est que tout simplement, les planètes ont tous les deux, ou même tous les trois, des anneaux. Ok. Très bien. C'est ça qui veut dire binaire, je suppose, c'est ça, hein. Par contre, ce planète-là, c'est une planète qui est volcanique. On voit de la lave de là. Je me dis... Pas la Lune, hein, la planète. Plutôt intéressant, je dirais, hein, ce... Cette classe... on se recharge, quoi. On se recharge en énergie, quoi. En étant ici, on se recharge en énergie. Et on est déjà à 53%. On va vraiment galérer à démarrer, hein. Je sais pas si on va réussir à démarrer. Je veux dire, je m'inquiète. Parce que le démarrage va être très très rude quand on va rentrer en warp. Enfin, en warp. En super cruise, voilà. Parce que du coup, ouais,
on va vraiment avoir très très chaud. Je sens bien cette mission encore. Alors, j'espère que je vais pas être bloqué sur cette planète par contre. Tente tout, hein. Je n'ai pas de... je n'ai pas du tout de... dommage qu'il n'y a pas de... C'est dommage qu'il n'y a pas de... Sur cette... Ok, on l'a sauté, je suppose. Je suppose qu'on l'a sauté, non? En tournant rond, là? Ok. On va s'éloigner un peu. Mon approche n'est pas très bonne. J'étais vraiment subjugué par... Ça fait vraiment une belle photo, ça. Si je pouvais bloquer mon vaisseau... Cette vitesse. Pour pas trop qu'il rentre dans l'atmosphère sans moi. Ça ferait vraiment... Une très très belle photo avec le soleil et voilà, regardez-moi ça, la belle photo que ça ferait. J'étais obligé de la faire la photo, je suis désolé les amis, je suis vraiment désolé, mais là j'étais juste obligé de la faire la photo. Enfin non, je sais même pas pourquoi je m'excuse en fait, je prends toujours des photos même si je suis en vidéo, donc du coup ça change rien pour vous. Ceux qui ont vu mes vidéos sur, sur The Solus Project, même jusqu'à présent, même sur Elite Dangerous, hein, j'ai eu bien sûr... Non, on l'a encore sauté, j'hallucine, on n'arrive pas à s'aligner sur cette trajectoire. Heureusement qu'on n'a pas d'atmosphère les amis, hein. Sinon on aurait brûlé dans l'atmosphère, mais d'une puissance, parce que là la pénétration atmosphérique n'est pas géniale. Ok, on va encore s'éloigner. Voilà, on a un. Voilà. Voilà, bon on va y arriver. On va y arriver les amis, on va y arriver, c'est ici. Alors bizarrement c'est une planète de glace, vu pourtant près du soleil, on a une entrée de carburant, je sais pas, une planète de glace c'est un peu perdu je dois dire. Surtout que la température de ce soleil là est quand même relativement lourde, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je l'ai pas scanné, donc je peux pas savoir. Regardez, on est à 55% quoi, de température. Hein. Pas 58% même. La température monte à chaque fois qu'on s'approche de la planète. Quoi. Je vous dis, le démarrage va être vraiment... on va prendre des dégâts. On va prendre de très lourds dégâts. Donc on va pas trop perdre de dégâts, enfin trop prendre de dégâts pour que la fille elle prend peur. Si elle prend peur, la fille, on est foutu. Parce qu'elle va s'injecter. Et on aurait fait ce trajet pour rien du tout. Voilà, j'ai relancé le flux les amis. On est à 55% de... Une planète de type roche. On n'a pas de... C'est dommage, on n'a pas de volcan ou un truc comme ça dessus. Mais ouais. Ça va être chiant, je pense. Je pense que le démarrage va être vraiment... Oh putain, on a 2G. On a 2G. Oh, on a 2G. La gravité de cette planète est à 2G.
Là, je dis merde, pourquoi mon vaisseau ralentit pas? On tombe. Normal. On était à 2G. On était à 2G. On a 2G. Ok. Donc la gravité de cette planète est 2G. Donc elle est supérieure à celle de la Terre. Notre poids est doublé par 2. Si je ne me trompe pas. On va mettre les rétrofusées, donc... Oh là là, ça marche pas. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Hop. On met les fusées. Les fusées. Voilà, c'est bon. C'est bon, on est stabilisé. On descend pas. On est en train de descendre. Ah ouais, on a 2G, donc du coup, là, c'est plus pareil. On peut pas faire ça. Ok. On se calme. Ok. On a failli se crasher sur la planète. C'est les boucliers qui ont bouffé, mais bon. Du coup, il faut tourner comme ça, pas pencher l'appareil. Là, c'est comme si on pilotait un hélicoptère, les amis. Donc ne pas pencher l'appareil quand on fait du surplace, ou sinon le vaisseau ou l'avion tombe. Hein. Là c'est comme si nous pilotons un hélicoptère. Donc du coup on utilise comment on appelle ça? La direction c'est le lacet. Voilà. Donc là c'est le lacet. Ok, donc du coup là le vaisseau va descendre, qui est tout à fait normal. Donc on va mettre. Ok. Ok. Donc là nous avons une planète de 2G. La manœuvre est plutôt difficile, je dois dire. Parce que du coup. La gravité est nettement plus supérieure que sur la Terre. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est en mettre les trains d'atterrissage. Ok. Du coup, on va... On va tout simplement baisser le vaisseau. Doucement, hein. On met quand même de la poussée sous la coque et nous touchons pas, on n'est pas en train de toucher, le vaisseau craque mais on ne touche pas. Du coup il me faudrait un endroit plus, comment je pourrais faire ça? Hop, ok. Doucement. Oh là là, à peine on appuie. Doucement. Voilà. Alors j'ai mis les trains d'atterrissage comme ça si le vaisseau se... On va pouvoir scanner. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver un endroit plutôt plat pour se poser. Alors, c'est la première fois que je vais sur une planète qui a 2G. Hein. Franchement, c'est vraiment la première fois. Ça s'est pas trop mal passé, je veux dire. Hein. Bon, à part au tout début, c'était plutôt difficile parce que, bah, du coup, comment dire. J'ai pas fait attention tout simplement à la gravité du vaisseau, enfin à la gravité de la planète. Donc, voilà, ce truc qui arrive. J'aurais un bonus. Donc à la place de 5 millions, il va me payer 6 millions. Ok. Si, bien sûr. Voilà, alors du coup, ils disent quoi? Ce site touristique a été désigné par le commandant Optimus Grind. Il offre une cadre incroyable avec un système planétaire binaire.
gravitant à proximité d'une étoile de type spectral O. Les deux planètes sont dotées d'anneaux. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, c'est tout simplement ça. Par contre, j'aurais bien aimé faire un petit petite sortie en véhicule. Parce que je pense qu'on peut le faire. La gravité de 2G, donc du coup, c'est long. Drive assist on. La gravité est hyper lourde, donc il a dit attention, la gravité est lourde. Enfin, vous avez 2G de gravité, donc ça fait que si vous sautez ou autre, vous ferez très très mal. Mais aussi, ça peut aussi vous faire coller au sol, aussi. Vu que sa gravité est tout simplement bien plus supérieure que celle de la Terre. Qui multiplie par 2 notre poids. Si je me trompe pas. Et franchement, alors je fais cette sortie de voiture, pourquoi? D'une, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait cette sortie de voiture. Et de deux, je voulais prendre le vaisseau en photo. En ayant mon véhicule de sortie aussi. Voilà. Donc si je me trompe pas, c'est ça. Voilà, j'ai envie de faire une photo avec mon véhicule. Mon véhicule et mon vaisseau. Et non, on va plutôt prendre l'autre direction parce que je trouve ça vraiment trop trop beau avec les anneaux. On va reculer pour avoir un truc un peu plus stylé. Voilà, sans trop rentrer dans la texture de la planète, ça serait bien, sinon ça va faire tout moche. Voilà, regardez-moi ça. Nous avons un peu de montagne, on va juste faire ça et en prendre la photo. Comme ça, ça fait genre un beau paysage. Voilà. Du coup... Je vais continuer de mon côté. Je vais arrêter de filmer. Alors ce que je vais faire, je pense que c'est ce que je vais faire. J'intégrerai cette vidéo parce qu'elle est vraiment courte. Hein. J'intégrerai cette vidéo avec une autre de mes vidéos, tout simplement, au montage. Donc ne vous affolez pas si de la voiture nous passons directement à un vaisseau spatial. Voilà. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker si la vidéo vous a plu, de commenter si vous avez des questions ou voilà, si vous voulez me dire des choses. De vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas été fait. De partager la vidéo et tout ça, tout ce que je dis à chaque fois. Je vous dis encore à très bientôt pour les prochains épisodes de Alien Dangerous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt les amis. Et bien sûr, comme ça sera... coller avec l'autre vidéo du coup voilà, donc ne vous affolez pas si je dis deux fois au revoir les amis, allez bye.